a pris conscience quand nous sommes arrivés à Abidjan avec le trophée. On a vraiment réalisé qu'on vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Créer un espoir inattendu. Arrivé un moment, mon père avait perdu son boulot. J'étais quasiment mort. Et je sais que mes parents sont en commun assis campement dans une maison en bois. Ma mère était toujours née au foyer, sans activité. On devait avoir là, un 10 000 comme salaire, qui était de 40 000 francs. 10 000 à mon père, 10 000 à ma mère. Et après là, ça devient la galère totale. J'étais le joueur le moins payé de l'équipe. Quand j'étais appelé en sélection pour la première fois, quand j'ai vu Didier Drogba, c'est waouh! Moi, juste pour vous dire que pour moi, chaque étape était un gros contrat. Gervinho assume avec beaucoup de responsabilité ses choix. Pour lui, il n'y a pas de compromis. Il a certes vécu digne dans la pauvreté, mais il n'a pas pour autant l'intention de lui chanter une sérénade.